Et c'est parti! Attention à Claudio Capeo, voiture verte, combinaison verte. Et deuxième pour l'instant, alors que Bruno Sabi est troisième. C'est cela. Capeo devant Sabi. Il va quand même pas faire encore un crime de lèse-majesté. Il est capable, il est capable. Mais oui, mais il est capable, il est capable de tout. Simone Zanoni a gagné une place par rapport à Angelina Favario. Alors là, Claudio Capeo nous a fait pratiquement une figure à chaque départ. Là, il a l'air de s'appliquer un peu plus. Il a été sérieux. Il a été sérieux. Et Bertrand Ballas est en train de s'échapper. Ah bah, il se dit, attention, il y a le fou vert là. Il y a le malade en vert qui joue de l'accordéon. Je veux pas le revoir, ce mec. Il est en train de se... Il a la trouille, en fait, Ballas. Mais c'est ça. C'est pas, il domine pas, il se casse. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Il a la trouillard, Bertrand. Fais gaffe, il t'entend quand même, il est costaud. Ouais, 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 ça ah, il est costaud, il est costaud. Ouais, allez, je premier tour. Moi, je suis lourd. Premier tour, donc, de cette finale. Hop, alors qu'on a Angelina qui est à l'arrêt, mais elle va repartir. Allez, Bertrand Ballas en tête. Théodore Capello à 2 secondes. Ensuite, Bruno Sabi à 4 secondes. Simone Zanoni à 5 secondes et Angelina malheureusement qui a fait une petite bêtise dans la deuxième épingle en bas du circuit et qui a perdu beaucoup de temps puisqu'elle est pointée à 14 secondes dans ce premier tour. Mais c'est incroyable, Capeo, regarde, il arrive presque à suivre Bertrand Ballas. Quel passage dans l'épingle du haut là. C'est fou. Mais comme un pro, comme un pro. Mais c'est pas vrai, ce mec. C'est vrai. Mais il sait tout faire. Il sait tout faire. Tu sais qu'il va nous remplacer au commentaire bientôt. Oh mais oui, mais bah, lui il est jeune, c'est normal. Hein. Ouais, il est jeune, c'est, il pourrait. Hein. Il a l'avenir devant lui, nous on est longtemps qu'on l'a derrière. Allez, le freinage de... Bertrand Ballas dans le... Hop, attention, il revient, Capeo. Et voilà, il prend et le circuit. Bruno Sabi passe. Eh oui. Ah, il recule. Et Simone passe aussi. Ouais, ça, c'est pas bien. Ah oui, Claudio Capeo, là, qui repart. Alors, attention à la remontée de Claudio Capeo, puisqu'il va repartir à la quatrième place. Ouais, c'est ça. Il en a mis un peu trop. Hein. Ah bah oui, comme tout à l'heure. Logique, comme tout à l'heure. Logique, ah, ce garçon a du sang, hein. Ce garçon a du sang, il a de l'attaque. Remarque, on en a tous à peu près 11 litres, mais... mais il bouillonne plus ou moins. Oui, ça c'est sûr. Allez, la descente. Non, Capeo qui revient sur Zanoni. Ah oui, ben là, il va pas faire de quartier. Hein. Ah non, non, non. Il nous l'a dit, Simone, qui est habitué aux courses sur l'asphalte, mais qui découvre la discipline, et ça lui a bien plu, puisqu'il veut revenir. C'est un garçon adorable, et nous, on est contents, s'il revient. Hein. Pas de problème. Allez, Bruno Sabi dans la descente, poursuivi par les deux furieux, Simone Zanoni et Claudio Capeo. Pendant ce temps-là, Monsieur Bertrand Ballas qui a pris le record du tour. Attention, attaque ouais, de Capeo. Attaque ouais, de Capeo qui passe. Il est passé. Il le renvoie en cuisine, donc. Celui qui aura fait le plus de dépassements ce week-end, c'est Claudio Capeo. Ah, il n'est pas vrai. Et puis ça a pas chômé. T'as vu, pim pam poum, je passe. Et boum. Le freinage de Zanoni. Ah, le freinage de Zanoni là. Qui s'est terminé dans le bouclier arrière de la voiture de Claudio Capeo. Punaise. Ah, celui-là, il était beau. Ah, ils sont cool, hein. Mais je vous dis, on se marre. Si. Et on se marre avec cette série de l'Enedis Trofandros électrique. Pendant ce temps-là, Bertrand Ballas claque un nouveau record du tour en 51.7 et avec pratiquement 10 secondes d'avance maintenant sur Bruno Sabi. Et derrière, Claudio Capeo est à l'affût sur Bruno Sabi. Attention, parce qu'il est capable de revenir. Il est capable de tout. Là, c'est le crime de lèse-majesté. Attention, regarde, il va nous refaire la même. Il tente l'extérieur. Il va le pousser. Il le pousse. Non, il est derrière. Allez, il revient. Il va l'attaquer sur l'extérieur. Ça passera jamais, Claudio. Non, Claudio. Non, ne fais pas ça, Claudio. Non, Claudio. Allez, vous allez voir, il va arriver devant vous maintenant. Et voilà. Ouf. Il débouche. Bruno Sabi, Claudio Capeo dans la ligne droite devant vous. Il n'est pas croyable, ce mec. Ah, mais c'est fou. Non, il n'est pas croyable. C'est fou. Oh, il va passer à l'extérieur, mais ça ne passe pas à l'extérieur, Claudio, voyons. Il va essayer sous l'Archandros. Allez, il essaye partout, mais ça passe pas. Et on va avoir le freinage ultime. Attention. Attention, il s'est mis à l'équerre. Et le freinage ultime dans l'épingle du fond du circuit, c'est peut-être le moment, il est tout prêt maintenant. Va-t-il oser porter une attaque sur Bruno Sabi? Ah, sans déconner, il a un cœur énorme. Ah, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Dernier tour. Dernier tour pour le leader, Bertrand Ballas, et derrière... Le freinage, il est là, il est dans le bouclier arrière, mais il n'arrive pas à trouver l'ouverture et Bruno Sabi se relance et Claudio Capeo est toujours là, accroché derrière la voiture de Bruno Sabi. Mais ça ne passe toujours pas. Ah, ils sont terribles. Oh, il est fabuleux. Il est fabuleux. Il est fabuleux. Il ne voit plus rien, l'essuie-glace qui essaye de balayer, il ne voit plus rien. Il ne voit plus rien dans le pare-brise, mais il continue à attaquer. Ouais.
On remarque qu'on voit qu'il ne voit plus rien, hein, parce que là, ça se voit. Les trajectoires sont assez aléatoires, mais il ne freine pas, ce mec, il est fou. Il est fou, Capéo. C'est incroyable. Claudio Dingo. Allez, pendant ce temps-là, Bertrand Ballas va se rapprocher de la ligne d'arrivée. Le voilà dans le freinage de la dernière épingle de ce circuit de Lens-en-Vercors. Maintenant, la partie montante vers le drapeau à damier. Il a sauvé l'honneur. Ah ben bah ouais. Et la victoire, ce soir, elle sera pour Bertrand Ballas. Voilà. Allez, c'est fait, Bertrand Ballas. L'homme de Lens-en-Vercors ce soir dans cette catégorie qui remporte la victoire. Et Claudio Capéo qui va peut-être tenter une dernière fois. Un peu large. Il est tenté. Tout le monde va passer. Il a terminé dernier. Et il repart dernier. Il aura fait le spectacle jusqu'au bout. Deuxième, Bruno Sabi. Troisième, Simone Zanoni. Quatrième, Angelina Favario. Cinquième. Et cinquième, le battant de cette finale, Claudio Capéo, qui aura fait le spectacle. C'est pas croyable.